reçu un acte. Hein? Il a le droit d'ouvrir une information, il a le droit d'interpeller l'intéressé. Et puisque nous sommes tous judiciaires, nous sommes dans un état de droit de demander des oreilles. Je suis vraiment encore prédisposé de venir répondre hein, à chaque fois besoin serait là, de nous répondre à la justice pour que la population guinéenne, pour que la communauté, pour que tout ce qui est de Conakry à l'intérieur de l'État comprenne que nous sommes en danger. D'accord. On était en danger et que ce problème-là, il faut que ça finisse. Ils sont en train de jouer malheur l'ABC en Guinée. Et il faut qu'ils en partent. Pas joué. Monsieur le colonel, est-ce que vous en sortez vraiment réconforté au terme de cette audience? Oui, réconforté. Oui. Il n'y a même pas une audience pour moi. Parce qu'on n'a pas allé encore dans le débat de fond. Nous sommes sur les individualités. Il pousse à l'avocat de soulever certaines unités de procédure. On est à ce niveau. Mais vous voyez. Mais moi, je le conforte du fait que ce matin, en tant que colonel, j'ai quitté mon bureau ce matin pour venir répondre hein, à l'appel de la justice. Ça, je le comprends. D'accord. Et je pense que la justice est en train de partir dans le sens du droit réel. Vous avez vu les haïssements comme ça. On va juste à m'insulter devant vous tous. Hein? On m'insulte devant là-bas. Ça, la justice, c'est de l'argument. La confrontation, c'est l'argument. Et c'est vrai. Il n'y a pas de problème d'injure publique vis-à-vis d'un officier secondaire, hein, d'un secrétaire général d'un département. On insulte publiquement. Et pourquoi je me suis mis à la tête pour leur montrer que je ne suis pas contre eux, ni pour la France, ni pour le droit de sa fille, et je suis encore prêt. Jamais la même chose pour me reprendre. Mais ce qui est sûr, c'est vrai. C'est un